sœurs et amis en Jésus-Christ, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. C'est avec un peu d'émotion que moi gravi cher pour me prêcher parce que ça fait déjà 10 ans. Ça fait déjà 10 ans que je t'ai prêché 8 jours dans le réveil ça. Pour une raison ou une autre, année ça fait 10 ans. Et nous disons bon Dieu merci, bon Dieu te voulait que nous là, à soir. Et nous remercions le Seigneur parce que par le bien de frère Josué, c'est mon fils parce que l'élève mon père, il voulait pour il va me répondre frère Josué, il voulait que me dise mon fils. Donc c'est mon fils par le bien de mon fils Josué chéri, moi retrouver lien moi avec pasteur Rinol. Nous dit bon Dieu merci pour ça grand pile mon Dieu l'âme te connaît déjà mais grand pile nouveau tout pendant ces 10 ans. Nous remercions le Seigneur et pas connait me répondre invitation pas connait pour qui ça parce que son monde qui assez difficile et qui très formel tout et te ca dit frère Josué il trop tard pas répondre. Parce que ça fait peut-être 3 jours depuis que frère Josué invité moi. Et étonnement par moi, c'est que moi, je voyais un sujet assez difficile. Et dans un livre qui est assez difficile, ou bien pour me dire même très difficile, parce que le livre des Proverbes, je songeais le tape étudié théologie dans step c'est un livre qui débat plus problème parce que le bon bagaille aurait les la donné il y a un paquet causé qui plus philosophique même que théologique la donné pour connaître et professeur était qu'on coincé nous en pile la dedans yo donc son livre difficile. Nous avons fait de notre mieux pour nous prêcher ce maintenant et pour nous bâtir de provisions satisfaisantes quand même parce qu'il y a les parallélismes dans le livre des Proverbes qui sont très difficiles à comprendre. Je vais entrer là-dedans avec nous puisque son seul verset, moins content. Nous avons un pasteur Alan avec nous. C'est un ami qui cher pour moi. C'est un monde, c'est un homme que dans tout le monde qui est là, que je connais depuis Haïti. C'est un ami, c'est professeur, 3 frères en Haïti. Et nous venons ici, nous renouer le lien, nous travaillons ensemble. Et c'est un homme très sage. Je ne vais pas dire assez, c'est un homme très sage. Tout le monde m'a dit, monsieur, si je suis une sagesse ou riche. Son monde très sage pour qu'a discuter accord avec ou qu'a discuter désaccord avec. Bien content moi là à soya t'après les limbat ka joini mais il là à soya moi dit bon Dieu merci me content wel. Sujet que nous gagne à soya moi remet sujet à mes textes là tout. Il faut toujours réfléchir avant d'agir. Il faut toujours réfléchir avant d'agir. L'homme te fait venir ici, 2 ans après venir ici, m'bral prend test licence moins dans circulation par les mots là car moi ici c'est le DMV. Moi prend test licence moi et puis
un ami qui prêtait un petit livre que Dieu m'invite fait sortir. Et puis là m'a lu ce livre là à mon grand étonnement, m'est tombé sur phrase ça qui dit to be a good driver you must think before you act. You must think before you act. Ça t'a attiré attention en pile. Me servi avec expression ça pour me conseiller moun. Me toujours dit yo sous moi côté me te joindre ni c'est dans le petit livre d'MVA. Je te joins Lydie, pour un bon chauffeur, faut penser avant ou agir. Ma montre petite, moi conduit, me servi avec elle. Je dis, ou un bon driver, ou pas besoin de faire accident, ou pas à l'aise, mais principe ça, de base ça, faut gagner, ou doit think before you act. Je pense que c'est un sujet qui est puissant. Il y a un gros problème l'homme gagne. Il y a une grosse erreur que l'homme toujours fait. C'est le fin agir, c'est le ça yo pensé. Toute catastrophe, toute gaffe que moun fait, c'est parce que en pile fois yo pas pensé et puis yo agi. Gen moun ki commet acte yal nan prison et puis c'est leur venir en prison et a réfléchi. Yo dit m'pa dwe faire ça non. Gen chauffeur qui fait accident, c'est le l'hôpital, il dit m'pa dwe faire coup de volant ça non. Li toujours bon pour penser et puis pour action venir après. L'homme de l'école en Haïti, nous t'a fait une étude supérieure quelque part et puis on t'a montré qui gens un monde qui a fait une bonne dissertation. Ça y aurait ici essai par comme ça. Un principe yo t'a montré. Je dis, lorsque un sujet devant, il y a un petit texte, et puis il y a un mandat pour développer, sujet, ça va dépendre de qui ça y a un mandat pour développer, pour qu'on ait qui orientation ou à bail sujet. Ensuite, je dis, il faut garder les mots-clés qui gagnent dans le sujet. Pour pas faire fausse route, faut qu'on mot clé parce que si on va le développer, il dépend de sens mot clé ça yo. Moi ouais ça vrai tout en théologie. L'heure où a prêché ou bien où a pensé un texte avant ou fait quoi que ce soit avant fait tout développement à loin à le prendre dans texte là. Li bon pour garder qui mot clé gen dans texte là et ça permet ouais professeur à qui bon sujet a qui orientation la tann de sujet qui ça la patann l'homme garder verset 25 là m'lili moi ouais là dani gagne quelques mots clés qui méritaient pour nous comprendre. Or, moi-même, démarche par moi, par habitude, l'homme gagne une semaine réveil devant pour me prêcher. Moi, toujours prends ensemble, premier jour, me fais un message introductif. Côté que, premier, ça me fait m'expliquer texte là. Qui ça texte là, gagne là, dans comme mot-clé? Et qui ça texte là enseigné et ça permet que moi gon marche à suivre
pour toute semaine là et m'a mettre l'esprit tout le monde tout à suivre en pile bagaille. Non seul verset 25 là nous joignent plusieurs mots à expression clé. Une expression clé que nous gagnons, c'est piège pour l'homme. Piège pour l'homme. Deuxième expression clé nous gagnons, c'est prendre à la légère. Troisième expression clé que nous gagnons, c'est engagement sacré. Nous avons engagement sacré. Et puis, après engagement sacré, nous avons réfléchir. Réfléchir. Ou bien, si nous devons prendre pour une expression, nous avons dit réfléchir avant. Réfléchir avant. Piège, en général, c'est une embûche, c'est un obstacle. Yo tann pour vous. Piège là d'ailleurs, même leur yo pas écrit même Jean créole qu'en français, mais mot piège là son mot que haïtien connaît. Si yo di yo tann nous piège pour un côté ou pas pral là, n'est-ce pas? Parce que on connaît piège là son embûche yo tann pour vous. De manière insidieuse, de manière rusée, et ou ka passé et puis ou prend la donne. Et là ou prend la donne, ou ka mouri, la dérange ou ka malade, ou ka gen tout bagay parce que yon piège est ton piège. Et moun ki tann piège, c'est pas jam yon zami, son ennemi ki tann piège. Ennemi en pape jouer avant un ennemi reste un ennemi. Mais dans verset 25 là en dehors moi même fait Port-au-Prince, me grandi Port-au-Prince, même son monde qui tellement aimé milieu paysan, on travaille dans milieu paysan, m'habitue à paysan, me visiter paysan, moi comment yo vivre, mon paquet pratique dans milieu paysan me connaît et me connaît grand pile monde là qui grandit en province. Ou qu'on bien ça ou les pièges, pas vrai? Yo pas surtout qu'on tente piège pour moun, mais yo tente piège pour bête, n'est-ce pas? Yo tente piège pour bête kap manje poule moun nan nuit. Yo tente piège pour chien kap nuit moun, moué ça déjà. Yo tente piège pour chat. Yo tente piège pour ortolan, tis oiseau, pas vrai? Mais yo pas surtout li rap ou tan piège pour moun. Mais là li parle de piège pour l'homme, piège qui concernait l'homme. Et façon li présente piège la présente nan passage là, c'est pas yon moun, c'est pas yon ennemi kap tan piège pour yon moun. Mais c'est mon nan même qui a préparé propre piège li. En raison de qui ça? En raison du fait que li pas réfléchi. Il pas réfléchi et li tann piège li et li prend en piège, li prend en guet-apens que li même li préparé pour tête. Prendre à la légère. Expression ça tout li veut dire en pile bagaille. Prendre à la légère, ça veut dire banalité. Banaliser un bagage qui est important. Banaliser quelque chose de sacré, quelque chose d'importance capitale, quelque chose de priorité. Et puis, banaliser li, ou bien profaner li, ou bien ou pas prendre au sérieux. Une argumentation nous gagne à soi pour prendre à la légère pour expression ça. Songez les Jésus tu es entré dans le temple Jérusalem non et il te voit tout le monde installé dans le temple là, il y a vendre marchand bœuf,
marchand bourrique, marchand cheval, marchand chameau, toute bête dans temple à pigeon. Et on connaît très bien depuis bête ça yon côté a gagné ça blanc français a relé dans langage li crotte. Vous y êtes? A gagné ça relé crotte parce que chameau yo, bœuf yo, pigeon yo, yo tout a fait besoin yo en dans temple. Et le Jésus rentré li wè ça. Peut-être nous capable j'en penser ça. C'est raison ça oui. Yo banaliser le temple de Dieu qui devait être une maison de prière. Et eux, ces hommes d'affaires là qui furent dans le temple, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ils en ont fait une caverne de voleurs. Une caverne de voleurs. Voilà, toute qualité moun en dedans, temple bon Dieu. Des ordres total, des ordres du point de vue de sanitation. Pas en dedans vraiment sale. Et puis toute qualité moun. On a bien volé, on a bien acheté, etc. Business a fait. En dans temple bon Dieu ya, temple bon Dieu ta doué un temple sacré, une maison réservée à la prière, sauf à la prière, et au fait de maison ça, un marché, un lieu sale, et puis une caverne de voleurs. Personne ne doit prendre bagaille bon Dieu avec banalité. Dès qu'on va gagner bon Dieu la donne, ou pas qu'à banaliser. Dès qu'on va gagner bon Dieu la donne, ou pas qu'à essayer profaner. Donc son piège pour le ou prend à la légère un engagement sacré. Maintenant, qu'en est-il de engagement sacré? Le nous dit un engagement sacré, nous a dit c'est qui ça? Un engagement y un engagement on monde ka engagé de plusieurs manières. Mon engagé par serment, un engagé par signature, un engagé par promesse formelle, et bon promesse vague verbale, mais une promesse formelle. Mon engagé par la conversion dans cadre religieux. Nous engagés avec bon Dieu par la conversion, nous engagés par le baptême, n'est-ce pas? Nous disons nous voulons marcher avec Jésus jusqu'à la fin. Nous ne pouvons jamais tourner à l'boué dans le même vaisseau avec Satan encore. Et c'est un somme-là par lequel on promet, on signe, on fait des vœux ou des serments de dire, de faire, de donner ou de donner à quelqu'un. Quelque chose à quelqu'un. Voilà. Ou fait serment, ou signe, ou fait vœu, ou fait serment, ou pas dit. Ou dit, ou bien ou fait, ou bien ou bail quelque chose. Ou bien, ou le contraire est aussi vrai, ou fait serment, ou signe, ou fait vœu, que ou pas dit, ou pas fait, ou pas bail quelque chose. Ça, c'est un engagement. All right? Mon qui est membre d'un franc-maçon, franc-maçonnerie, qui couramment dit ou c'est maçon loge, mon sa yo font serment pour babay secret maçon. Pour pas jambay secret maçon jusqu'à ce que yo mouri. Je songe, l'homme qu'on allait étudier sous champ de Mars, te gon monsieur qui était maçon, mais tête li te minouti jan. Viré chaque jour sous champ de masse là, monsieur a monté descend, il gon flow moun d'elle parce que gon jour te dit moi même avant mourir m'a bail secret maçon ça parce que toute sorte entendé y a dit ya pas rien sérieux là-dedans m'a dit. Et puis monsieur dit l'a dit, monsieur nèg la dit la bail secret maçon nèg envahi sous
puis intellectuel, professeur, tout le monde a remis contre ça secret maçon. Nèg a marché des MC à cahier, à canet, tout nèg besoin pour notre sac pour brage sac secret maçon. Monsieur vient sous chant masse là, il vient chaque jour, il ramasse cob dans mes nèg, il aller le manger, le boire, et puis il parle, il dit monsieur m'a bon. Je dis à propos pour ba, il met la taille, il dit mon cher m'a ba, il dit même tout m'a baoul. Ni amse tan koul fin ta bien ta et puis monsieur dit monsieur noël trop tard là on va pas parler un secret maçon laisse ça monsieur et monsieur dit demain si Dieu le veut monsieur m'va pas parler en pile m'a ban nou secret a monsieur vini chaque jour il prend l'argent nego ba l'argent là manger il admire monsieur va tout net ta me connaît ça gain dans maçon et puis bonjour monsieur vini et puis et n'a pas fini balcon, poche plat, cob, il a acheté manger, il a manger. Et puis, monsieur dit bon, monsieur, chaque jour, je me dis, nous, ma bonne, nous, secret maçon. Mon compte, ça me réalise dans nous, c'est que nous parlons même. Tout n'est comme un secret maçon, monsieur Bralbay. Je dis, c'est que nous parlons même. Je dis, c'est pour ça que nous parlons. Je dis, non, nous parlons même. Nous donnons un bagage, si nous parlons, nous mourons, nous chonons comme pour nous. Et puis, monsieur réfléchit, réfléchit. Je dis, je vais dormir à soir. Si je rêve, je vais me faire un bon demain si Dieu veut. Puis, je vais me faire un bon demain. Et puis, un jour, je dis là-bas, un jour, machine frappe, monsieur mourit. Monsieur mourit à tout secret maçon. Il n'est pas bien en bas. Pour qui ça ne va pas bien? Parce que, il était pour un engagement. Sacré, il te plaît respecter engagement, ça jusqu'à ce que les mourir. Chrétien évangélique, c'est ça nous dit, oui. Nous dit jusqu'à la mort, nous te serons fidèles, jusqu'à la mort, tu seras notre roi. Sous ton drapeau, Jésus, tu nous appelles. Nous y mourrons avec foi jusqu'à la mort. C'est notre cri de guerre, libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante. Christ, ouais, suscité. Quand chaque coup chantel, son serment on fait, son engagement qu'on renouvelé, n'est-ce pas? Est-ce qu'on est prêt pour qu'un bé serment ça? Même Jacques Nomnan, jou casque le mourit, li tout menace moun fel, li mourit avec secret maçon, hein? Li pa jam baili. Et nous autres, sauf sac différent, c'est que nous pas jamais retourner al boue dans même plate avec Satan, mais secret l'évangile là n'a partagé le tout jusqu'à ce que nous mourions. Quand un engagement est dit sacré, un engagement est sacré lorsqu'il est considéré ou bien lorsqu'il est pris ou bien lorsqu'il est contracté en dehors de tout ce qu'on peut appeler banalité ou profanation, ou bien souillure, on t'a dit ça tout à l'heure. Dès que la présence de Dieu est dans un acte, cet acte laisse la sphère de la banalité, la sphère de la proclamation. Jodia, yon bagay, yon engagement qui est plus sacré que nous prenons. Cet engagement me saute dit là. Bye Satan do pour toujours. À nous les repentir et tourner face nous bye bon Dieu pour toujours jusqu'à ce que nous mourions pour l'éternité. Sans garder ni à gauche ni à premier monde qui puis sacré qui gagne, c'est le chrétien. C'est ou même
premier monde qui puis sacré que bon Dieu gain sur la terre. En pile fois nous pas comprendre ça. Nous pas connaître si nous sacré non. En pile fois moun yo dans l'église, yo pas gon vraie conviction de ça yo yé. Si nous te gon vraie conviction de ça nous représenter sur la terre, sa chef gouvernement yo a pèm se te gen zam yo pa t'ap ka fè. Nous pas vraiment prendre conscience de ça nous yé, de ça nous représenter, de sa institution que l'église là représenter dans vie nous. Nous pas vraiment des engagés, grand monde qui l'église qui était des initiés non des engagés. Ah non, il y a une différence entre initié et engagé. Il y a une différence entre pour monde qui l'église parce qu'on aime pasteur Rinol, parce qu'on a relation à pasteur Rinol, c'est Rinol, c'est frère Josué ou là. Une différence. Grand monde après 20 ans de conversion, il était initié. Grand monde l'église me connaît après 20 ans de conversion, pas jambe bon bagaille a fait pour mon Dieu. En même. Yo va offrir tête yo pour yo rien. Yo seulement vini. Elle difficile pour relé yo pour ba yo ministère. Yo réfractaire. Alors que bon Dieu parle les personnes pour s'initier dans l'église. Dieu nous appelle tous, chacun de nous, à être ouvrier avec. Oh, il répond fait bon Dieu. Quel grand pile monde comme ça dans l'église là. Bon Dieu relé nous tous comme des coopérateurs pour nous avec lui comme ouvrier. Bon Dieu, chaque monde li rele, chaque monde qui vraiment converti ou possède ou moins un don. Oh, yo pa répondre. Gen le pa gen don dans l'église là. Ou possède au moins un don qu'on cab exercer pour le Seigneur, c'est pour raison ça le Seigneur meto a et toi pas. C'est pour raison ça ou sanctifié par l'esprit. Et passe par nouvelle position qu'on gagne en Christ. Il a fait un monde qui est chrétien, sécurité assurée mieux que l'autre dans le monde. Bon, il y a un monde qui a dit, mes amis, ça passe que tu as dit là. Sécurité assurée mieux que l'autre dans le monde. Pour qui ça? L'autre dans le monde, pour qu'on bagaille pour te faire. Ou gen garde pour mettre sous à payer bien cher, ou gen prêt pour prendre, ou gen contrat pour prendre en main diable. Toujours me donne un bon quoi qu'a parlé. Il était sincère, il dit que le moun yo prend prêt ou bien prend contrat, il gen conséquence. Gen fille qui prend un contrat, yo mette prêt dans bouchou pour depuis yo grien dans yo un garçon ouais dans yo pour courir derrière. Depuis l'ouvert dans nous, on prend plaisir là-dedans, nous prend. Mais on grandit comme ça, ça a une conséquence. Il y a les filles, ça, les gens qui prennent, ils ne doivent pas prendre sans bouche. Li. Ouais, un diable à méchant. Monsieur dit, l'aide ou prend contrat, diable à bord, si bagaille, vrai. Ou bien l'argent, mais c'est où seul li bail li. L'engagé à diable, c'est où seul, Satan. Diable là-bas est l'argent. Et je connais plus le monde qui est en Haïti. Le fin de mourir, petit, tu vas foutre pour chez sous bien. Diable là, gagoté, il a brûlé dans le caillou. Il fait tout bagarre, mais petit, tout le bas. Pour le monde, bon, ou bien madame, je ne vais pas jouer. Pour petit, je ne vais pas jouer. Et si madame a besoin de contrat, pas il va contrat, pas la diable là. Et puis, il y a l'autre monde qui dit, le Satan va au point. Il y a des gens qui sont sous la vie ou prennent contrat. Ça veut dire, si les gens vivent 80 ans, ils font contrat sous quantité à nos retraités. Et puis, ils vont bien, ou riche, ou une machine, ou ceci, cela pour quelques temps, pour un vieux petit temps. Nous n'avons pas de monde qui a le point pour le diable à jambes au secret. Ça. Diable a compté un jour pour deux.
Parce que journée a compté pour lui 12 heures de temps, nuit la compté pour lui tout pour deux jours. Ou même l'a veillé ou prend prion qu'on est la ponce sous 20 ans, dit ça va faire rien puis depuis sous 10 ans dans nos règlements. L'a vient dit non, m'te douce pour 20 ans, même te pour 20 ans, journée a compté, nuit la compté. Et puis c'est qu'on soit entravé. Ou pas même qu'on mette l'autre dans bien en même pour mourir. Il prend où? On connaît moun en Haïti qui peut tête sur bas diable tout vie. Tout vivant. Au lieu pour aller prendre engagement à diable, vienne joindre. Si nous prenons engagement à Jésus, plutôt un engagement éternel. C'est lui qui mourit pour vous, c'est lui qui sauve vous. En nous prenons engagement avec lui, plutôt l'eau dans Jésus, ou gagne meilleure sécurité. Vous comprenez pour qui ça? Ou gagne une sécurité endogène. Moi, c'est moi qui m'a prêché que les gens disent gros, mais je m'en vais expliquer. L'elle dit sécurité endogène, ça veut dire sécurité en don. Parce que bon Dieu vient habiter en don, même la vivre en don. Si on ne va pas faire bon Dieu en rien, il ne va pas faire rien, il ne va pas atteindre bon Dieu, il ne va pas atteindre nous. L'elle fait une bonne sécurité endogène, qu'on y a une bonne sécurité exogène. Sécurité dehors qui bol mette li dit ça oui, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent pour les arracher aux dents. Alors gen m'apporte une petite précision pour nous grand pile mon leur dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Vous comprenez ce verbe camper, il dit l'ange de l'Éternel camper, c'est pas ça, c'est pire gros bagaille que ça. Il dit l'ange de l'Éternel pose cani, il pose caserne autour de ceux qui le. Ouais, verbe camper, pas gagner en français. Ka gagner nous mais c'est pour camping. Camper, gagner nous mais pas sens nous baler quand pour j'aime camper là debout. OK? Ça veut dire l'ange de l'Éternel pose cani autour de nous. Mon avodou dit tout le monde grand ange gardien cap marche avec. Moi-même, je suis un ange gardien qui a marché avec moi. Je suis une légion d'anges qui a protégé de tous côtés. Sécurité exogène. Parce que je suis un chef en dedans. Non seulement il y a VM, il y a un chef là tout. Il est obligé là. Je suis une légion d'anges qui a protégé nous. En nous prenant sans nous pour. Nous marchons. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous n'appartenez point à vous-même. C'est ça l'engagement, mon Dieu, pour nous. Engagement pour nous, c'est que nous, pas pour Satan encore, pas pour le monde encore, pas pour le lâcher encore, qu'on y a nous pour mon Dieu. C'est là qu'il y a nous. Parfois, nous toujours quoi n'a vivre pour nous-mêmes. Il y a mon chrétien qui dit, je ne vais pas être pasteur, mon grand monde, je fais ça, je vous convertis tout le monde, ou à pour monde qui souple, ou à simple, ou à même sous tes hôtels l'église là, et vous à faire petit, ou à soumettre tout. Nous toujours dit aux monde qui chrétien sont monde qui grand pile dépassement de soi dans lui-même parce que bon Dieu mettait ça dans nous, bon Dieu voulait que nous vivions comme ça. Alors nous épuisé plusieurs termes. Donc nous-mêmes nous gain valeur au regard de Dieu, même la mort croyant gain valeur au regard de Dieu, aux yeux de Dieu. N'est-ce pas? Ou ka dit le texte là? Psaume 116, verset 14 et 15. J'accomplirai mes voeux envers l'Éternel. Elle a dû prier aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. Oui. Même l'offre mourir, cadavre. Il y a un valeur. Songez Moïse. Moïse vient mourir. Moi c'est Michel Archange qui descend vient 10 pas discuter ou bien disputer le corps de Moïse avec
Oh, regardez la Bible là, non? Avec Satan. Il vient disputer le corps de Moïse avec Satan. Il dit non, mon frère, ça n'est pas pour vous. Ça, c'est pour bon Dieu. Après la mort, Moïse, oui. Après la mort, Moïse, oui. Aussi, toute désobéissance, Moïse t'a fait. Toute petite chute, Moïse t'a fait. Moïse même frappé Jésus. Sans le pas connaître. Il frappe au cher, il parle avec elle, il frappe elle. Et après sa mort, l'archange Michel dit non, papa, c'est moi qui apprends ça, c'est pour moi lié, pas pour moi, et pas pour lié. Ah ben, nous bénéficier protection, ça a toujours dit, ah oui. Les almettes nous dans le cimetière, vous avez un vacabon pour comprendre, vous avez un zombie, vous pour faire là le travail. Ah, vous comprenez. Nous ne sommes pas capables parce non. Que avant, quand nous retournons dans ton blâ, ah ben, ça qui est important, là, aller joindre mettre lui. Vous n'avez pas besoin de rien. Nous n'avons pas besoin de faire rien. Vous n'avez pas besoin de casser 4 membres. Vous m'avez contenté. Depuis que vous avez eu un suspect qui s'est mangé ou mangé, il coupe tout le corps. Il coupe les pieds, il pète les gel. Vous n'avez pas besoin de faire tout le bagage. L'honneur, bon Dieu, c'est pour bon Dieu, il est net. Amen. C'est pour bon Dieu, il est net. Et vous pouvez aller en paix. Nous pouvons terminer l'introduction. Hein? Mais nous avons aimé Chita à Soya Souve réfléchir là. Ou demain, pour mardi soir, les nous tourner. Nous ne pas tourner sous l'inette encore et développer, nous allons développer. Alors, c'est quoi donc réfléchir? Réfléchir concerne l'esprit. Réflexion, c'est production l'esprit. Et quand est-ce qu'on réfléchit? On réfléchit lorsque il mettait à part un petit temps raisonnable pour l'examiner, pour le calculer, pour le méditer, un engagement ou bien une œuvre avant de passer aux actes. Est-ce que l'église là? Tout ça on a fait dans la vie, on met un petit temps à part pour méditer. Ou réfléchir, ou calculer avant ou passer aux actes. Réfléchir, c'est méditer la possibilité, la faisabilité et les conséquences d'un engagement ou d'une œuvre. Méditer avant agir. Le juriste a examiné un criminel. Il a examiné lui sous 3 critères. Il a cherché la vérité crime que mon nan fait sous 3 critères. Dit élément intentionnel, élément moral, ouais, alors élément intentionnel, élément matériel. Et puis, bon, l'autre encore, que je me presque oublié. Élément intentionnel, là, c'est ça qui travaille dans l'esprit. Il faut faire, avant de faire Zach là, il prépare Zach là dans l'esprit. Il prépare mal là dans l'esprit. C'est ça, l'élément intentionnel ou bien élément moral. Élément légal, bon dit ça manqué blié avant. Élément légal, c'est qui ça la loi dit sous zak sa moun nan fè a. C'est élément légal. Ba en pile bagaille pour question, sou pa prend ou pa prend $100. Élément légal, c'est sa texte la loi dit sous zak moun nan fè a qui peine yo di a bali. Qui peine la loi dit pour yo bay yon moun qui commet de tels actes. Élément matériel, c'est qui Jean li matérialise Zak là. Est-ce que son revolver l'été utilisé? Ça fait tout au a parlé, le revolver sous scène de crime, il dit a parlé de balistique, gen moun ki gen pile compétence dans ça, yo capable étudier à qui zam moun nan yo tuer moun nan, yo analyser cadavre là, yo regarder orifice yo si yo joine sur place, regardez
tout côté balle fait dans comme un impact que le fait et à partir de ça yo capable faire une étude sur l'étude balistique pour dire qui Jean mon matérialisé à là. Un chrétien besoin réfléchir avant d'y agir et n'a pas dit nous terminer. Il y a différentes sortes de réflexions. Il y a ça les réflexions inspirées, réflexions inspirées, réflexions capable d'inspirer soit de Dieu soit du diable, selon Jacques chapitre 4 verset 13 à 18. Il y a une réflexion subjective qui c'est réflexion mon en bala dans tête seulement réfléchir sans que le pas garder dans aucun texte, il pas garder dans livre, il pas garder dans Bible. Subjectivité nous joignons en pile côté, nous joignons dans l'église tout. Il y a un prédicateur qui prêchait message subjectif. Ça veut dire pas jambe bon texte. Il n'y a pas de côté où il n'y a rien et puis il y a plein de parler où il les a voué monté. Dans psaume 1, verset 1 et 2, ou après côté dit, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ce n'est pas lui-même, non? Dans sa subjectif et objectif, nous venons dans psaume 1er verset 1 et 2, qui ça dit encore? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Méditer à réfléchir, c'est 50 corps à dégoudin. Sauf nuance qui vient là-dedans, méditer à un petit crasse plus avancé. L'offre réfléchit ou passe bagala dans méditation, comme si méditation son l'autre moule, ou pral sortir à une dernière idée. Ça, c'est méditer. Méditer à aller plus profond que réfléchir. Ensuite, gagner des réflexions insensées. Psaume 14, verset 1er, il dit, l'insensé dit dans son cœur, il n'y a point de Dieu. Qui a fait cette réflexion? L'insensé. Donc, mon qui écrit psaume, non, c'est sûr que il n'est pas d'accord que pas un bon Dieu. Il est d'accord qu'il y a un bon Dieu, mais il dit, celui qui dit qu'il n'y a point de Dieu est un insensé. Est un insensé. Il y a des, en fait, réflexions spéculatives. Colossiens chapitre 2, verset 8. Il dit que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes, sur des principes élémentaires du monde et non sur Christ. Il y a aussi des réflexions circonspect, avait dit des réflexions faites avec beaucoup de soin, beaucoup de sagesse. C'est dans Éphésiens chapitre 5 verset 15 l'apôtre Paul proposait ça. Il y a aussi des réflexions malsaines. Éphésiens 5 verset 6 et 7. Il y a aussi des réflexions saines. Éphésiens 5 verset 8 et 10. Et ensuite, il y a des réflexions hâtives. Réflexions hâtives. Ça veut dire réflexion qui pas arrivé dans la méditation. Réflexion qui fait de manière hâtive. Une réflexion, m'a terminé avec argumentation ça. Et Jephté, dans Juge chapitre 11, versets 30 et 31, te font réflexion hâtive. Qui te font vœu qui te vraiment hâtif. Madianitio, t'as ba Israël en pile problème.
parce que mon qui connaît la Bible en pile, le livre des juges ou après Sam Abdoula, peuple madian qui j'en te fait, yo fait ça nous même haïtien relé bourri travail choual gal galionné ou bien galionné. Oui. Chaque coup Israël fin planté, coup récolte la pral bon. Madian monté avec escorte li, yo récolté à la caillou. Oh mon Israël yo, vous nous tirer récolte c'est tout vêt pour OK. Tout vêt pour OK il met dans grenier parce que depuis yo quitté le mur, depuis yo quitté le moment récolte privé, et bien les madianites allaient monter et yo fait harvest là, qui ont yo recueilli fruit là, yo fait récolte là pour yo fait moi yo moissonner pour yo moissonner pour ceux qui ont planté. Eh bien bon Dieu t'a pral servir à Jephté, bon Dieu t'a pral ba Jephté en fait victoire sur les madianites. Bon Dieu gen t'envoyé message pour Jephté, message couche là, m'pa konn sou konn l'illustration ça, li montre Jephté que l'a gagné bataille là. Jephté lui-même qui était tellement content, il pral faire victoire sous Madianite. Et puis monsieur couri font vœu. Monsieur font vœu à l'Éternel. Monsieur couri font vœu à l'Éternel, oui. Vœu, c'est ton vœu actif. C'est ton vœu subjectif. C'est ton vœu émotionnel. Dans l'église, regardez mes frères et sœurs, moun pa jouer avec bagage sacré. Pas courir faire vœu sans sens devant bon Dieu. Monsieur font vœu. Monsieur dit si bon depuis bon Dieu fait le fin bat madianit yo, le l'a monté, il dit Seigneur depuis me fin bat yo. Le map monte, premier moun qui vient rencontrer m'nan, ça l'a fait. Map consacré à l'Éternel. C'est le rite là, t'as bon. Dès qu'on professeur Kremen dit, gen baga ou fin dit de pour ajouter sous lit ou gâtel. Monsieur dit, map offri à l'Éternel. Plutôt de quitter là. Map consacré à l'Éternel. Pas un problème. Que doit être dans temps bon Dieu t'a voulu là le travail n'importe quoi. Et puis l'ajouter m'a offri en sacrifice. Oh papa bon Dieu, c'est gâté bagaille là. C'est ton vœu subjectif parce que le pas consulter texte biblique yo avant te faire, parce que avant ça bon Dieu qui t'a dit li pas d'accord avec sacrifice humain. Sacrifice humain pas fait le plaisir ou pas caval bouler moun sur l'holocauste pour bay bon Dieu. Bon Dieu pas d'accord ça, monsieur pas consulter texte ça. En pile théologien gen doute que monsieur t'a accompli veut ça vrai parce que c'était impossible du point de vue biblique, du point de vue des textes. Donc c'était un vœu comment subjectif qu'il t'a fait. Vœu à tes subjectifs et vœu à tes actifs tout. Ils font vœu actif pour y presser, font vœu pour rien. Et puis, à son grand étonnement, elle a retourné. Et puis, il garde l'ouest. C'est une seule petite fille qui a gagné. C'est une petite fille qui a couru. Il compte en victoire. Elle a couru, il a accueilli papa, il a couru au devant de Jephté. Jephté dit, ma fille, tu m'as tué, qu'est-ce que tu m'as fait? Oh, il mourit. En ville, le monde consacre. Yo prend médecine sous compte pentade marron. Gen moun qui prend médecine sous compte ti moun qui est avec oua. Yo konne yo ka fè salve. Ou est texte ça? Li place non contexte qui dit, le mal cherche pi ou nan livre là. Contraste entre justice et méchant et méchanceté. En tant que Jephté, il y avait un méchanceté qui se nourrissait. Parce que il te comprend que c'est un esclave qui a couru, vient chercher, vient rencontrer, il y a un serviteur.
et puis l'étonnel garder loin ces petites filles pirin mais c'est lui qui vient. Assoya nous quoi que nous dit assez pour introduire maintenant la semaine. Nous remercions le Seigneur que te permettre que nous qu'a fait ouverture ça yo dans un texte si difficile. Nous pas connait rien d'abord mais le Seigneur servi avec nous nous dit merci. Que le Seigneur vous bénisse. À mardi prochain, Dieu voulant. Amen. Amen. Moi grand bon Dieu qui a veillé sur moi. Ou bien les comprendre moi pour compte moi. Moi grand bon Dieu qui a veillé sur moi. Moi pas pour compte moi. Moi grand bon Dieu qui a veillé sur moi. Ou bien les comprendre moi pour compte moi. Moi grand bon Dieu qui a veillé sur moi. Pas pour compte moi. Les méchants yo m'veulent doit sous moi. Yo gen les comprendre moi pour compte moi. Moi grand bon Dieu qui a veillé sur moi. Moi pas pour compte moi. Alors si ou pas ta gen possibilité avec complément fait cahier pour écrire message pasteur et sous gain possibilité dans YouTube ou Facebook juste taper Renold Glodin TV et pour ap gain tout reste message ou apprendre toute parole yo Renold Glodin TV ou ap joindre dans Facebook à la gloire de Dieu on pas pasteur a dit la carte attention en pile. Moi t'a long mission yon côté presque baradé ça m'a dit là c'est ma connel et gagnon bien-aimé et jardin ce n'est qui fait pile jardin pile mango mais m'a parlé de bagaille si vous passez bon la ria chapeau tombeau pas qu'à prendre chapeau si tellement nèg ça baka une seconde caille qui fait mais pas jamais gain yon mon petit li tout bagay li gain tout bien tout l'argent tout bagay ou konn sa m'a dit ay ma c'est la dans li mette tout à fait sont très important c'est seul l'évangile qui gain piyay. Amen. Oui c'est seul l'évangile qui gain piyay. L'on prend l'évangile, on prend l'évangile pour toute race, pour toute petite, c'est ça. C'est ça que fait nom dans campé Jésus, il dit moi et ma maison nous servirons. Vous comprenez? Et puis monsieur vient mourir. Monsieur mourir pour jusqu'à présent m'a parlé ensemble voilà. Personne va rentrer dans caille là. Et tout l'argent, tout ça gagné, c'est au compte ça que fait mon rentre dans caille c'est gap qui fait niche dans caille. C'est dit que très important. Là où est méchant ou al prend engagement, c'est ou même pas gain l'autre monde, pas gain petite, pas gain mari. Tout sale baou, c'est ou le baou l'elle mange tout traité pour gaspiller. Eh ben bon Dieu différent, c'est pas ça. Moi bay bon Dieu action de grâce à soya pour introduction ça. Ouais et Proverbe 20 verset 25 ça c'est pas des bagailles qui parlent là-dedans non et c'est ça que fait m'pas jamais fait rien sous la chair parce que me prend trop coup et nous t'a chercher texte pour nous bail 40 jours et puis dimanche matin m'entrer pour mal en bas et pour mal baigner et puis yo dit texte réveil là c'est réfléchir. Et puis voir dit Proverbe 20 verset 25. Même côté amre l'on confrère moi. Un collègue moi me dit le comme ça. Pasteur Basile ou comme Basile, il ta place ouais, il était là matin. C'est mon on lui parler de autour. Vous comprenez? Et puis me dit le monsieur dit mon cher ça son thème qui drôle oui pasteur dit ça.